Historiquement vrai, ils sont sortis comme à l'incroyable, ces jeunes patriotes, mobilisés par leur leader, le général Charles Blégoudé, leader de la galaxie patriotique, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. Ils ont pris d'assaut la place de la République, occupant toute cette place, occupant également toutes les artères menant vers cette place, pour donner à cette mobilisation une allure véritablement historique. Ils sont sortis nombreux, ils sont venus massivement à cette place de la République avec le général Charles Blégoudé et tous les leaders de la galaxie patriotique pour répondre à cet appel et montrer que c'est cette majorité qui a choisi Laurent Gbagbo en tant que président de la République souveraine de Côte d'Ivoire. La deuxième partie de ce temps historique, qui était de donner gloire et honneur à l'éternel Dieu, a tenu son pari. Des hommes de Dieu, mais également des chantres, ont célébré Dieu avec ce peuple, avec cette jeunesse qui a décidé de mettre Dieu au centre de son combat. À l'introduction de toutes les prestations artistiques chrétiennes, le professeur Meïté, chercheur en islamologie, et le prophète Jean-Marie Domoro ont donné gloire à Dieu, appelant sa présence sur ce temps fort. Or, je bénis Dieu pour de tels hommes, comme son Excellence le ministre Charles Blégoudé, que Dieu te bénisse. Vous savez, c'est une bénédiction d'avoir de tels hommes. Tu n'es pas béni. Alléluia. Alléluia. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est une affaire de certains individus qui sont en train de vouloir manipuler le monde par leurs finances. Je parle de la franc-maçonnerie. Yeah.
chance de chanter un merci avec moi. Écoutez, David, avant qu'il ne devienne roi, était émergé, oublié. Maman Marie l'avait levé. Aujourd'hui, elle ne savait pas ce qui allait lui arriver. Tu vois, la vie a besoin de quelqu'un comme toi. Les meilleures victimes, les plus expérimentées, les plus confiantes. La vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Et oui, seulement des gens comme toi. Quelqu'un comme toi, les meilleurs défis, les plus expérimentés, les plus confiants. Ton pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ce temps de louange et d'action de grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant a été marqué par de fortes actions prophétiques conduites par des hommes de Dieu qui, avec toute cette jeunesse rassemblée, ont prié pour réclamer la délivrance de la Côte d'Ivoire, l'unité de la Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout la paix et non la guerre. La paix et non la guerre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, toutes choses subsistent par toi. La Bible déclare que tu es le commencement et la fin. Seigneur, tu as vu le commencement de cette crise. C'est que tu connais la fin de cette crise. Ce soir, tous les le peuple ivoirien, les autorités de la Côte d'Ivoire, lève les mains vers toi, lève les mains. Lève nos yeux vers toi. Parce que ténèbres, nous savons que toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, ma vie t'appartient aujourd'hui. Seigneur, les patriotes de Côte d'Ivoire t'appartiennent au nom de Jésus. Seigneur, tout le peuple ivoirien t'appartient au nom de Jésus. Éternel, sécurise les frontières de la Côte d'Ivoire. Sécurise les frontières de la Côte d'Ivoire. À partir de ce jour, toute langue forgée contre la Côte d'Ivoire, avec plus de vie, on doit vous entendre. On doit vous entendre. On doit vous entendre. À pointer. Et toute arme forgée contre la Côte d'Ivoire. On peut le dire, si Dieu voulait voir une Côte d'Ivoire debout, qui le loue et qui le célèbre, il s'en est délecté cette nuit, car les Ivoiriens l'ont loué, l'ont adoré, mais surtout ont prié pour implorer sa grâce. Dieu n'est-il vraiment pas avec la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire n'est-elle pas la seconde patrie du Christ? Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.